veux-tu te marier dans 10 ans avec moi? Je sais que ça peut sembler long, mais tu verras, c'est vite passé. Je peux pas tout de suite parce qu'on est encore trop petit. Mais dans 10 ans, je voudrais bien. C'est pas terrible. Bah, le problème, c'est que tu pars perdant. Et surtout, c'est pas tellement correct, tes tournures de phrases. Il faudrait peut-être commencer comme ça. Chère Sandrina, depuis que je t'ai vue en grande section maternelle, je pense à toi en permanence. Et Oui, mais là, ça fait lettre d'amour classique. Moi, je voudrais un truc original. Tu vois, en même temps, être direct, aller droit au but. Tu réfléchis et puis tu refais un bouillon. Tu nous le montres ce soir. Nous, on doit y aller, le jour va pas tarder à se lever. Salut, Michel. Travaille bien. À ce soir, Michel. À ce soir. Très bien. Il me reste quelques heures de sommeil avant de me lever et d'aller à l'école. Qui est là? C'est vous, petit vampire et fantomate? J'aime pas ce genre de blague, arrêtez! Qui êtes-vous? Répondez ou je hurle! Allons, ne crie pas, petit. Je ne te veux pas de mal. Je suis Youyou. J'habite le ruisseau juste en bas, près du chemin. Tu ne m'as jamais vu me baigner les jours de grand soleil? Non. Enchanté, je m'appelle Michel. Que me voulez-vous? Hé, hey, doucement! Mes pattes de partout, après on va croire que j'ai fait pipi au lit. Chère Sandrina, gna 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 gna. Hé, rends-moi ma lettre! Ça suffit! J'appelle mon grand-père, il va te mettre dehors et plus vite. D'accord, j'arrête. Bon, j'aime mieux ça. Que veux-tu, Youyou? Ce que je veux, être ton ami. J'en ai assez de passer mon temps dans le ruisseau, dans le froid et l'humidité. Je veux avoir des copains, m'éclater. Tu voudrais t'amuser avec Petit Vampire et mes amis de la maison hantée? Oh, j'adorerais tellement. Et c'est ainsi que Youyou aimerait devenir notre copain. Parce qu'il en a marre d'être tout seul dans son ruisseau. C'est ça? Exactement. Oh, enchanté, Youyou. C'est quelle origine, ça, Youyou? C'est Ragondin de Damas. Vous comprenez, il arrive un moment dans la vie où on en a assez de vivre avec soi-même, en autarcie, je dirais. On recherche les rapports inhumains. Eh bien, jeune Youyou, sois le bienvenu parmi nous. Merci. Oh! Bonjour. Enchanté de faire votre connaissance, Youyou. Enchantée, mademoiselle. Madame, je vous prie. Oh, mille excuses. C'est que vous êtes si jeune et si jolie. Merci, jeune homme. Vous êtes bien galant. Eh bien, que diriez-vous tous ce soir de faire la fête pour sceller notre amitié? Comme ça, boum, crac, une petite boum improvisée. J'ai jamais vu maman danser. Youpi! Eh bien, en effet, ça me plaît, cette musique. Oui, et si bien ça comme musique, il faudra acheter le disque, hein. Je sais pas si ça existe dans le commerce. Oui, vous demandez à Youyou? Mais il est où? Maman! Youyou! Maman a disparu. Et Youyou aussi d'ailleurs. Maman. Madame Pandora. Maman. Madame Pandora. Ma poussinette. Ma poussinette. Ouh, Madame Pandora. Ma poussinette. Madame Pandora. Maman. Ce Youyou avait l'air trop sympathique. Peut-être même était-ce un ondin. Un ondin? Oui, une créature malfaisante qui habite dans les ruisseaux et qui séduit les femmes et les entraîne avec lui pour qu'elles soient leur maman jusqu'à la fin des temps. Oh non, il en est pas question. Il va pas me piquer ma maman, celui-là. Quoi? Que dites-vous? Alors voilà, voilà. Moi qui organise une méga fête pour vous et on me traite de voleur. Je suis désespéré. Vous êtes méchant. Je vous déteste. Je n'ai plus qu'à retourner tout seul dans mon ruisseau. Voilà. Oh, oh, je crois qu'on a fait une bêtise. Oh ouais, c'est un peu bizarre quand même, de venir chez les gens et de faire la fête comme ça, et puis de disparaître. Oh, ma poussinette, j'ai soudain eu peur pour votre sécurité.
J'ai cru que Yu-Yu était un onda. Vous avez tous manqué de correction vis-à-vis de Yu-Yu. Il voulait juste faire la fête avec nous. Et vous, vous l'avez condamné, vous l'avez vexé. Salut, Yu-Yu. Salut, Michel. Excuse-nous pour hier soir. Bah, c'est toujours pareil. Je ne sais pas m'y prendre avec les gens. C'est ma faute. Allons, c'est pas ta faute. Bah, dis-moi, je peux venir à l'école avec toi? Je crois pas que c'est possible. Mais si, tu dis que je suis ton animal de compagnie. La maîtresse, elle voudra bien, j'en suis sûre. S'il te plaît, je me sens tellement seul. Le ragondin a été importé d'Amérique dans nos contrées au début du siècle. Et depuis, il a proliféré dans les cours d'eau, se reproduisant en grand nombre. Il peut être apprivoisé comme celui de Michel. Hé, Michel, il sait faire des tours, ton ragondin? Bien sûr, plein de trucs. Allez, Yu-Yu, montre un tour à Sandrina. Arrête ton cinéma, je suis à l'école, c'est pas le moment de danser. Ton ragondin s'est enfui. C'est pas grave, il connaît le chemin de la maison. On retourne en classe, maîtresse. On a un contrôle, je crois. J'ai trouvé Pandora étrange toute la nuit, comme si elle était ailleurs. Elle était fâchée qu'on ait trop rapidement jugé Yu-Yu, peut-être. Peut-être. Et, Michel, tu me dis que Yu-Yu a refait le même coup à l'école cet après-midi. Exactement, capitaine. Ouais, il est bizarre, Yu-Yu. Ça doit être là. Je ne connais pas d'autre ruisseau près de chez moi. Regardez là-haut. Qu'est-ce qu'il fabrique? Je l'appelle? Non, attends, attends un moment. Capitaine, il faut faire quelque chose. Oui. Yu-Yu, arrête tout de suite cette musique et rends-toi. Libère ces femmes. Laisse-les aller. Non, jamais. Ce sont mes mamans à moi. Vite, venez, entrons dans le ruisseau. Mais capitaine, je ne peux pas respirer sous l'eau, je suis vivant, moi. L'eau des ruisseaux où vivent les ondins est respirable, mon garçon. Donc vous êtes sûr qu'il s'agit d'un ondin? Quasiment certain. Oui, ça a boxé dans les chaumières. J'ai peur qu'un sort magique ne nous empêche d'ouvrir cette porte. Hé, raton laveur, et Ouktet, viens voir ici un peu. Envoûté, il la regarde balancer de droite et de gauche son front. Et contemplant le vaste demi-cercle d'écume, elle est la vision même du jugement dernier, de l'éternelle malice devant la puissance humaine. Yu-Yu, ça suffit. Libère ces jeunes femmes, ou tu auras affaire à moi. Jamais. C'est trop bien d'avoir dit maman. Allez-vous-en. Maman, maman, tu me reconnais? Maman? Non. Qui êtes-vous? Pourquoi ne réagissent-elles pas? C'est la poudre qu'il tire de sa bourse. Elle a le pouvoir d'hypnotiser les filles. Ne réagissent plus qu'à sa musique. Oui, doué, violent. Ah, lâche-moi, gros coup débile. Lâche-moi. Oui, mais je te lâcherai quand tu m'auras dit comment on fait pour que tout rentre dans l'ordre. Je crois savoir ce qu'il faut faire. Où suis-je? Que se passe-t-il? Vous avez été envoûté par Yu-Yu, ma chère. Michel, qu'est-ce qu'on fait ici? On est sous l'eau? Je n'arrive pas à y croire. Vous avez toutes été envoûtées par mon ragondin apprivoisé. Alors nous, on est venus avec Petit Vampire, Fantomate, Claude et le capitaine pour vous sauver. Mais qui sont ces gens? Qui m'a sauvé? C'est vrai? Claude, raccompagne ces demoiselles chez elles. Demain, elles auront tout oublié. Et ce sera tant mieux pour elles comme pour nous. Et toi, Yu-Yu, tu n'embêteras plus jamais personne.
confisqués. Oh non, s'il vous plaît, sans rembourser mon argent, je n'ai plus aucun pouvoir sur les films. Mais bon, justement, c'est une bonne idée, ça. Que diriez-vous, mamie, si nous prenions des cours de danse? Oh oui, pourquoi pas? Moi aussi, je veux bien apprendre à danser. Et toi, Michel, tu veux aussi apprendre à danser? Oh, dans 10 ans plutôt. J'apprendrai avec Sandrina. Je suis pas vraiment pressée.